يا من له صدري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاري. الحمد لله، الحمد لله على إنعامه وإفضاله، الحمد لله كما ينبغي لجلاله وجماله وكماله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحابته وآله. Assalamu alaykum wa rahmatullah. En continuité de ce que nous avons dit vendredi dernier à propos de l'amour des messagers sallallahu alayhi wa sallam, que son amour est une condition de la foi. Sans cet amour, nous ne pourrons goûter la douceur de la foi. Maintenant, il est important pour nous de comprendre pourquoi aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, Dieu dit dans le Coran, dans le dernier verset de Sourate Tawbah, un messager des vôtres vous est venu. Toutes les choses qui présentent une difficulté pour vous, qui vous mettent dans la gêne, ce sont des choses qu'il ne souhaite pas, qu'il ne veut pas pour vous. Harisun alaykum, dans le sens où le messager insiste auprès d'Allah pour que tout le monde soit sauvé auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et puis, en plus de ça, il est doux, il est miséricordieux envers les fidèles. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. Ça veut dire toutes les choses qui présentent une gêne, qui présentent une quelconque difficulté, le prophète ne la veut pas, ne la souhaite pas pour la communauté. Et c'est pour cela qu'il s'inscrivait toujours dans la facilité. À chaque fois qu'il avait les choix entre deux choses, il choisissait toujours la plus aisée, la plus facile. Imam Muslim rapporte, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, selon Amr ibn al-As, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a cité le verset de Surat Ibrahim, selon la parole de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Rabbi innahunna adlanna kathira min nas. Seigneur Dieu, les idoles ont égaré beaucoup de gens. Ceux qui me suivent seront les miens, et ceux qui me tournent le dos, tu es certes pardonneur et miséricordieux. Et la parole de Isa alayhi salam, de Surat la table servie, et lorsque tu as pris mon âme, tu étais témoin de leur jugement, et tu es certes le grand témoin. Si tu les châties, ce sont tes adorateurs. Et si tu leur pardonnes, tu es certes le puissant, le sage. Ces messagers ont invoqué Dieu en faveur de leur communauté. Mais le propre messager, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a cité cela, il s'est prosterné en se levant, il était en larmes, il a levé les mains et demandé à Dieu de préserver la communauté en disant « Ummati, Ummati ». Pour Allah, cela préserve, épargne les supplices, les châtiments à sa communauté. Et Allah a envoyé l'ange Gabriel, alors que Dieu sait pertinemment ce qui chagrine le messager. Il a envoyé, Jibril lui dit, va voir Mohammed et demande-lui c'est quoi qui le préoccupe, qui le chagrine. Et Jibril est venu, il a parlé avec le messager, il est retourné voir Dieu et Allah lui a dit, retourne voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et informe-le qu'on va le satisfaire dans sa communauté et qu'il ne va être point affligé. Allahumma salli wa sallam al-habib. C'est-à-dire que le messager sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla va lui donner, encore donner, toujours donner davantage jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Mohammed al-Nafs al-Zakiya, radiallahu anhu arda, un des petits-fils du messager sallallahu alayhi wa sallam, il disait que les gens d'Irak étaient connus de l'exégèse du Coran. Les grands exégètes du Coran étaient irakiens. Il dit que vous, les gens d'Irak, vous dites que le verset de l'espérance, c'est celui de Surat Az-Zumar. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dis à mes adorateurs, dis à ceux qui sont submergés par les péchés, ceux qui ont commis un maximum de péchés, qu'ils ne désespèrent point de la miséricorde de Dieu, car Dieu pardonne tous les péchés. Il est certes pardonneur et miséricordieux. Ça, c'est le verset de l'espérance. Il a dit, mais nous, la famille des messagers, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous, le verset de l'espérance, c'est celui de Surat al-Duha, « Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda » Et Dieu te donnera tellement, te donnera davantage, jusqu'à ce que tu sois satisfait. Lorsque ce verset a été révélé, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari et le Muslim, « La arda wa ahadu min ummati mu'addaban » Je ne serai pas satisfait alors qu'une seule personne de ma communauté va être châtiée.
C'est très important. C'est pourquoi il faut aimer le messager, parce qu'il est plein de sollicitude pour nous, parce qu'il insiste pour sauver nos âmes auprès d'Allah Azza wa Jal. Au final, il nous aime plus que nous-mêmes, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de goûter la douceur de l'amour de Dieu, de l'amour des messagers, de vivre l'amour et d'irradier l'amour autour de nous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قد رضيت بكل ما قد ذقته من نوعة حرماني فاكتب بجنات الخلود مكانتي قرب الحبيب.